Bonjour et bienvenue pour le concours de blagues. Je suis très content de vous retrouver pour cette 11e édition, 3e édition qu'on fait avec une petite présélection qui permet d'avoir des blagues encore plus qualitatives. Et en plus de ça, nous avons pour la deuxième fois un invité, notre ami Billy. Bonjour Billy, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Zach, mon ref? Ah là, bah, ça va super. Ah bah tu vois, genre on fait une petite comédie pour YouTube et tout, c'est bien. Donc Billy, je vois qu'il m'a demandé sur Twitter, parce qu'en soi je l'ai invité au concours de blagues, il sait même pas comment ça fonctionne. Mais bon, c'est assez tranquille, ça dure à peu près une heure et tout, c'est cool. Le principe est simple, je me permets du coup de le rappeler. Vous venez, hein, vous faites point d'exclamation Discord dans le chat, il y a une présélection. Vous venez, vous racontez votre blague. Si ça fait rire, et bah dans ce cas-là, vous remportez votre sub. Zach vous paye un sub, donc voilà, c'est assez cool, un petit mois de sub. Si ça fait pas rire, vous partez avec la honte, 2-3 insultes sur votre descendance, tout un chat qui vous déteste, bref, la classique. Et pour cette édition, pour la toute première fois, on va instaurer un système de MVP. C'est-à-dire que le MVP de la soirée, et qui est celui qui nous a fait le plus rire, il part avec un truc en plus. Donc c'est la toute première fois que je le fais, et ce sera débattu avec... avec ces bonhommes-là, du coup, vous, là, c'est vous. Donc, je suis très content de le faire. Et donc, voilà, Billy, t'inquiète, t'as pas de blague à faire. Juste, je veux ton jugement. C'est-à-dire que si la blague t'a fait rire, elle t'a fait rire. Si elle t'a pas fait rire, elle t'a pas fait rire. Si tu l'as pas compris, faut que tu le dises. Ça arrive. Ok. Je suis chaud. Non, mais j'ai un peu le rire facile, du coup. J'espère que ça va pas me niquer ce soir. Et carrément, je sais pas si t'es chaud pour ça. Vas-y, dis-moi. Mais celui qui a le plus ri entre toi et moi, on doit s'offrir 50 subs. Genre, entre nous. Ouh, genre, par exemple. Par exemple, si j'ai plus ri que toi, je suis obligé de te payer 50 subs ce soir. Et l'inverse. Vas-y, je suis chaud, frère. Je suis chaud de ouf. Vas-y. Tu sais, ça. Il y a un peu plus de piment là entre nous. Ah, tu sais, hey, visage de marbre. Zéro rire, hein, tu sais. Ce soir, je suis aigri, ça va rigoler zéro fois, t'inquiète pas. Attention les mecs, hein, vous allez. Ceux qui passent ce soir, vous avez pas de chance, hein. Non, ça va bien, ça va bien. Bon, du coup, on va commencer tranquillement. Je le répète encore une dernière fois. Prenez ça sur Discord si vous voulez passer. Bref, de toute façon, c'est dans le titre, etc. Si quelqu'un pose la question dans le chat, vous savez lui répondre. On est bien. Il y a des pseudos dans le channel présélectionné en bas. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire plus qu'un autre pour démarrer? Présélectionné. C'est de la menace, il a l'air chaud. Hein. Partons avec C'est de la menace, le concours de blagues édition 11. C'est parti. Bonsoir, monsieur C'est de la menace. Comment allez-vous? Vous êtes muté, je me permets de le rappeler. Bonjour. Ça va? Ah, ça va, beau gosse? Ouais. Attends, pourquoi t'as déjà rigolé? Ah ouais, merde! Non! Non, ça va pas commencer encore. Ça va, Seb? Non, mais ça fait peur, mais tu en fait. C'est quoi, c'est un canard? C'est un canard! Ah ouais, d'accord. Je dirais, il est pas trop bien, gros! Il est trop bien, il est trop lourd. Frérot Billy, tu rigoles à contresens là! Ouais, non, mais je décharge un peu de rire, là, comme ça, la blague, je vois. Ouais, bon, mon gars, Seth, t'es le premier à passer ce soir, donc j'espère que tu vas pas nous décevoir. En tout cas, moi, j'ai confiance, je pense que ça va bien se passer. Donc, est-ce que... Enfin, ta blague, en tout cas, a été sélectionnée, donc à toi de nous faire rire. C'est parti. Ouais. Ok, alors, quel est l'instrument de musique préféré des homosexuels? Non, t'inquiète, devine. Aucune idée. C'est le tambourin, tu sais pourquoi? Non. Parce que tambourin, tambour 2. Attends, parce que... Ah non, mais moi je savais pas que... Mais, hey, vous êtes sûr, il a passé la présélection, lui? Ouais, il a passé la présélection, ouais. Bref, le modo, il avait bu de la vodka ou quoi? Ah non, mais tambour 1, tambour 2, c'est bien la finesse. On est bien, franchement, ça fait bien. Ah, je suis désolé, mais une telle vanne, je m'y attendais tellement pas. Non mais gros, il y en a, ils ont envie de faire ban ma chaîne Twitch, elle a jamais été en 10 concours, mais les mecs, ils arrivent alors, l'instrument préféré des homos, et toi t'es là, oui bon, c'est pas très funny ça. Moi je pensais que c'était des blagues genre un arabe dans une voiture, des trucs. Ah non mais non gros, c'est... Il y a des trucs... Bon, moi personnellement, tu m'as... En plus, c'est ça que j'aime bien dans les concours de blagues, c'est quand les mecs sont sur deux, ils croient en leur vanne. Toi t'étais plié de rire, t'avais pas fini ta vanne gros. Donc ça me va, pour moi tu es gagnant, je sais pas ce que t'en penses Billy.
Ouais, moi j'ai kiffé, il est pas passé par quatre chemins, c'est... Il savait où aller, c'était carré. Eh ben ça me va. Monsieur, c'est de la menace, j'aurais besoin d'un pseudo, s'il vous plaît. Arrive. Arrive, attends. Wesh, mais... il est toujours cuit, sa mère, je suis mort. Ouais, j'ai écrit ces one shot, c'est... Ouais. Eh ben énervé. Hop là. Ouais. Offrir un abonnement, c'est offert pour monsieur. Merci allez, beaucoup, allez. Passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Allez, ciao. Ça déraille dans le rage vite. Ah, je te dis, gros, faut avoir les reins solides. Hein. Il y a des moments, des mecs qui viennent faire des vannes, c'est pas du tout friendly. Hein. Frère, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que ça allait être deux carottes qui discutent, tu sais, dans une forêt. Ouais, bien sûr. Non, mais gros... C'est qu'il y a des moments, les mecs, ils arrivent vraiment. Des homos, ouais. Alors, c'est des noirs et deux juifs. Et toi, t'es là. Tu veux pas faire des blagues family friendly, genre. Mais tout le monde va apprendre ce soir, je pense. Ah oui, il y en a. L'occasion vient d'arriver avant de rappeler que le concours de vannes, c'est que des blagues. Faut pas le prendre personnellement. Ce n'est pas méchant. Ouais. Allez, on continue tranquille. C'est parti. Allô, oui, bonsoir. C'est moi là. Ah bah là c'est ton moment là. Ah c'est my moment. Oh t'as un beau micro hein. Oh là là son micro. c'est pas un bon micro genre. Ah non en vrai si. Ok ça va. Bon. C'est quoi la référence? En gros tout ça c'est l'HyperX Cloud Alpha gros. Ah, ok. Du coup retenez bien l'HyperX Cloud Alpha. On dédicace HyperX en tout cas. Ah, c'est du télo. C'est moi lui pour son live en dessous. Bon, vas-y, du coup, c'est quoi ta vanne, frérot? Vas-y, alors, maman. En fait, c'est un enfant, il se plaint, il dit: maman, pourquoi tu reprends ma température dans ma bouche? Déjà prise dans mon derrière il y a 10 minutes. Et Daron, elle répond: je sais, mon chéri, mais cette fois, c'est juste pour nettoyer le thermomètre. Bon, c'est Moninho qui m'a dit de dire ça. Ah, dédicace. Petit flap quand même. Dédicace en SAV. Attends, en plus t'as Poucave direct. Genre t'es arrivé, t'as pas fait rire, t'as Poucave direct. Toi c'est tes principes, c'est je fais pas rire, je réussis pas, je Poucave le mot, donc je dis c'est sa faute. Imagine, je lui fais pas rire. En gros, c'est le risque, hein, c'est pas grave. Hein. En tout cas, franchement, bon, ça arrive, hein. Je me permets, mais c'était pas très drôle. Pas de soucis. Bah, j'ai failli rigoler, mais juste à cause du micro, il est vraiment dégueulasse. C'est à cause du micro. J'aurais été dans mon studio d'enregistrement, là où je fais du rap. Alors, là, gros... voilà la radio, ouais. C'est pas que le micro. Voilà, je me permets. je te jure, même en qualité stéréo, non, même 5 avec points. Un Sennheiser, là, j'aurais pas trop rigolé, je pense. Ah, même en Blu-ray, ça aurait été naze. Vraiment, c'est pas méchant. Hein, mais... En tout cas, merci à toi, frérot. Passe une bonne soirée. Merci vous aussi les gars, ciao. Vas-y bisous, ciao. Ah le micro. Eh c'est quoi la marque, rappelez-moi, j'ai jamais acheté cette marque. HyperX Cloud Alpha. Oh là. Oh mon dieu. Oh mais tu sais qu'elle ça. Là il met bien, hein. Un jour je vais avoir une OP HyperX à me ressortir ce petit. Ah oui, ah non, c'est fini. Pour nous deux là c'est fini. Là c'est terminé du coup. On s'en passera tranquillement. Allez, on va prendre le bienveillant. Bonjour. Salut Jack. Ouais je me gosse, ça va? La forme et toi? Tranquille. Alors, est-ce que tu sais pourquoi les juifs ralentissent dans le virage? Tu vas nous le dire? Parce qu'ils ont peur d'être déportés. Oh là 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 là. Non mais c'est grave. Là frérot, Zach, c'est pas que Cloud HyperX là, tu fermes les portes à toute l'industrie. Là, tu peux dire adieu de nouveau. Ouais, en tout cas, très heureux d'avoir partagé un moment sympathique avec vous en live, les mecs, hein, vraiment. C'est un moment d'exception. Frérot, au moment où t'as préparé la blague, tu t'es dit quoi dans ta tête? Vraiment, vrai, je me permets de poser la question. Vas-y, raconte-nous quel a été le processus de réflexion. Tu t'es dit, je vais venir, je le mets dans la merde. Ah, des fous. Non, là, c'était clairement le projet, là. En Sars, j'ai écouté un épisode à mon oncle, et il m'a dit, ouais, essaie de passer avec celle-là. Attends, c'est ton oncle qui t'a dit?
en vrai, tu sais quoi? En vrai, Orvan, j'ai rigolé. Franchement, j'ai rigolé, c'est bâtard, bien sûr. C'est bâtard, mais bon, aucun manque de respect dans ceci, mais rien que le culot, franchement, je suis obligé de le reconnaître. Pour moi, je sais pas ce que t'en penses, Billy, mais je vois un gagnant entre nos mains. Enfin, moi, je le pense. Eh, prochaine blague sur l'islam, t'as intérêt à avoir ton meilleur fou rire, Zach. Venez, faut de la chrétienté aussi, si vous voulez. Des blagues sur les athées, vas-y, venez, faut que tout le monde prenne sa part ce soir, sinon ça va pas le faire. Ah oui, faut égaliser la balance, comme ça, quand il y a l'article combini, j'ai un mode de défense crédible. C'est quoi ton pseudo, le frérot? Je t'envoie dans le chat. Non, faut que tu me le dises à l'oral, parce que sinon, gros, je... Il y a déjà des mecs qui écrivent « c'est moi » alors que c'est pas eux. Oh les rats, sa mère. Oh, la taille du rat, c'est trop. Ah ouais, alors, t'es pas la taille du rat de fou, c'est quoi? Car bienveillant. Ok, c'est machin bienveillant, bah vas-y, je te laisse écrire dans le chat et moi, je t'inquiète. Ah oui, c'est bon, je l'ai vu. Il est pas bienveillant du tout, en plus, c'est non, ça non, le... Non. Mais le pire, c'est ça. Vous savez, c'est quoi son pseudo Discord? C'est le bienveillant. Mais oh là là, Dim, t'es pas bienveillant, gros. Il n'y a aucune bienveillance qui sort de toi, hein, gros. C'est... Elle a des intentions malsaines. Le pire, c'est que je t'ai pris en me disant le bienveillant, il va venir faire un bon truc. Pourquoi les juifs? Je t'avais dit quoi, Billy? Et le prochain, il va dire hey, les Renois. Et l'autre, il va dire hey, les Arabes. Bon, merci à toi. Passez bonne soirée, frérot. Merci, frérot. Chouchou. Merci, frérot. En vrai, franchement. La blague elle est vraiment sale, hein, parce que c'est un événement historique dur et tout machin, mais j'avoue j'ai rigolé. Ouais, je vais pas mentir, j'avoue j'ai rigolé. No disrespect, mais j'avoue j'ai rigolé. On va tous prendre ce soir, ça se voit. On va tous prendre. C'est bien. Ils ont décidé. Vas-y, on va prendre quelqu'un d'autre. Hop, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Comment ça va les gars? Oula, mais on est là, on est là, moi. Et les gars, je suis trop content. Ça fait plaisir de passer. Bon, je vous dis, soit ça passe, soit franchement ça casse. Faut pas commencer comme ça, frérot. Faut y aller dans l'arène. Là, t'es dans l'arène, faut y aller. Ouais. Vas-y, j'y vais. Ok. Alors, c'est l'histoire de trois personnes qui vont dans un bar. Il y a un cow-boy, un ninja et un PD qui rentrent. Et il y a une mouche qui passe. Et puis, le cow-boy, il fait... Il essaie de la découper, il loupe. Et puis après, il y a le ninja, il fait... Il tire, il loupe. Et puis il y a le PD, et puis il y a le cowboy ultra énervé, il fait « Et la prochaine qui arrive, je l'encule !» Et il y a le PD, il fait « Bzzz !» Oh non, pas ça, quoi. Bon, bah je vais rester pour regarder dans le blanc des yeux, vu que j'ai fait un blanc. Oh, tu peux pas me faire ça, je vais faire nuit blanche. Eh ben, bonne nuit blanche, hein. Je ne suis pas responsable de ce qu'autrui dit, voilà. Je ne suis pas responsable de ce qu'autrui dit. Mais le pire, c'est que... Bon, allez, vas-y, la blague. En plus, je crois que je la connaissais. Franchement, pour être honnête, je crois que je connaissais une variante de cette blague. Mais il aurait pu dire, tu vois, j'en sais rien. Bon, dire homo, tu vois, au moins. Non, lui, il arrivait... Il a dit le payword direct. Oh, elle en avait rien à foutre. Gros, si la blague elle est un peu dure, mettez les formes, arrêtez de me foutre la honte là, c'est pas bien. Mais lui il s'est dit ce soir Zach son stream je vais le niquer en fait, je vais enculer. C'est terminé gros, il y a le mec de chez Twitch, il verra 10 signalements de cette chaîne, gros je suis dans la merde. Non, en vrai en vrai Orvan, genre je sais que c'est un je sais que je ne suis pas responsable de ce qui se dit sur mon stream, donc a priori ça peut aller, enfin de ce qui se dit, t'as compris, si un mec vient et il déconne genre ouais. Ça, normalement ça va, donc Zach Ban, je n'y crois pas trop. Allez continuons tranquille. Inch'Allah, continuons. Alors on escalade là. On espère. Bonsoir. Ça déraille dans le ça va ou quoi? Ça va très bien. Tranquille? Alors, tranquillement. Est-ce que t'es venu pour foutre la honte ou pas? Non, moi je suis venu pour faire une blague et de bâtard. Vas-y, de bâtard. Vas-y, ah, vas-y. Alors, pourquoi c'est facile de kidnapper un chinois? Aucune idée. Parce qu'on peut lui bander les yeux avec un lacet.
Ah, t'as rigolé, Zach ? Voilà, non. Ok. Toi, je sens que t'as envie d'y aller un peu, toi. Tu te retiens, là. Bise, le tiens un peu. Non, même pas. Non, ouais, petit flop. En vrai, c'est ce que j'ai dit. C'est que des fois, dans le concours de blagues, il y a des blagues, elles sont un peu mignonnettes, tu vois. Genre, ça, ouais. Ouais. Là, je souris, là. Là, je souris, mais... Tu vois, pas convaincu. On peut lui bander les yeux avec un lacet. T'es un gamin quand même. Bon, pour moi, ce sera pas suffisant pour gagner, monsieur. Ah, pas ouais, pareil, mais bien tenté, moi. Mais ouais, bien tenté. Pour le coup, tu pars pas avec le déshonneur et les multiples insultes, etc. Ça va. Il y a même certaines personnes du chat qui étaient bien d'accord pour te faire gagner. Donc, dis-toi que t'avais quelques personnes derrière toi, monsieur. Ah, bah, c'est carré alors. Et bah, pas si bonne soirée. Merci à vous aussi. Ciao, ciao. Ouais, t'as vu, c'est bonne ambiance quand même, hein. Ouais, là on est redescendu un peu, là ça fait du bien. Bah oui, gros. Ouais, je suis mignon, ça va quoi? Ouais, alors je dois t'annoncer un truc. Vas-y, j'écoute. Le retour d'une légende de concours de blagues qui n'a pas fait de blague depuis un petit moment. C'est qui? Est-ce que j'ai le droit de le move? C'est qui? Tu vas voir. Non, si c'est Mélanie Pessy, la tête de ma mère, c'est mort. Ah, t'inquiète. Tu crois que j'avais pas capté? Tu crois que... Non. Bonsoir. Ah, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Apparemment, y a ton avocat, là. Il a dit que tu voulais passer. Là. Ouais, quand même, ouais. et qu'est-ce que tu nous as fait pour ce soir? Une blague. Voilà, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? En gros, si tu veux, c'est un mec qui est passé, on va dire, 8 fois minimum au concours de blagues, genre c'est chez lui. J'ai dit non, mais Monigno, il m'a pas écouté, donc écoute, monsieur Pessy, qu'est-ce que tu veux nous proposer ce soir? Ouais, une blague. Bah vas-y, frère. Ouais, mais non, en fait, c'est juste avant, il y a Billy, là, ça m'a timide, tu vois. Mais non, mon ref, au calme, on est entre nous. Non, gros tour. Bah, vas-y, mais s'il te plaît, Billy, débonne-moi avant de prendre le chat. Billy, ouais, débonne-le, gros. Si tu fais rire, je te débonne. Si tu nous fais rire, je te débonne. Oh, t'as vu? Tu peux gagner un débonne, gros. Allez, vas-y, ouais, Pessy. Oh là là, mon dieu, je stresse. Fonce, gros, tu connais le truc, tu connais le bail, t'es déjà passé plein de fois. Vas-y. C'est l'histoire de deux dealers, tu vois. Ils sont là, ils se font choper, ils passent au tribunal, c'est deux potes. Et genre, du coup, ils passent devant le juge, tout ça. Le juge, il est un peu clément, il voit qu'ils sont jeunes, ils ont toute leur vie en face d'eux. Du coup, il leur dit, je vous laisse une semaine. Pendant cette semaine-là, vous devez faire arrêter un maximum de personnes genre qui consomment de la drogue. Voilà. Du coup, ils reviennent une semaine plus tard. Le premier, il passe. Et genre, il passe en même temps, le même jour. Le premier, il passe. Oui, bonjour, monsieur. Alors, combien vous avez réussi à faire arrêter? Le premier, il dit, j'en ai fait arrêter 15. Du coup, le juge, il est en mode, ouais, 15, ça, c'est très bien. Ça, comment vous avez fait? Il lui dit, bah, j'emploie la technique des deux cercles. Comment ça, les deux cercles? Bah, j'ai dessiné deux cercles, un grand et un petit. Je leur ai dit, vous voyez, le grand, ça, c'est votre cerveau avant la drogue. Du coup, le deuxième, il passe. Il dit quoi? Oui, vous avez fait arrêter combien de personnes? Il lui dit, bah, moi j'en ai fait arrêter 450. Il a dit, ouais, c'est beaucoup quand même. Comment vous avez fait? J'ai fait la technique des deux cercles, mais inversée. Là, il dit, comment ça? Il dit, bah, vous voyez, il dessine un petit cercle et un grand cercle. Et il a dit au dealer, vous voyez le petit cercle là? Ça, c'est ton trou du cul avant la prison. Eh, vas-y, nique the bee, wallah, je repasse plus. C'est bon. Ça y est, c'était ta dernière, là. C'est bon, vas-y, je reviens, je vais sodomiser ma cousine. Bah, super. Oh, bah, génial. Oh, la fin de carrière, nulle. Je veux dire, wallah, je ne dépanne pas de mon chat, wallah, je Est-ce que j'allais te dire, débanne-le pas, gros, garde-le bien, ban. S'il est au tribunal et que tu vois son pseudo passer, regarde même pas la requête, gros, vraiment, on voit direct. Oui. Ah, ça va dodge direct, hein. Oh, je suis mort. Non, mais en plus, le pire, c'est que vraiment, sur tous les premiers concours de blagues et tout, il était très très bon. Mais là, j'avoue que sur la fin,
Fin de carrière pas terrible hein, pour monsieur Mehany Pessy. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. On va retenir que les bons moments. Bonsoir. Jacques, tranquille ou quoi? Ça va, beau gosse? Yo, Billy, tranquille. On est là, ça va et toi, Hugues? Tranquille, tranquille. T'as l'air à l'aise, j'aime bien. Ouais, tranquille. Alors moi, j'ai une petite blague. J'espère qu'elle va te plaire. Hein. Bah gros, j'espère tu aussi. Sais, tu sais où est né le petit Grégory? Je sais pas, gros. À Noisy le Petit. J'ai pas compris. Noisy le Petit. Noisy le Petit. Ah oui, attends. Ah, je suis trop con. Ah, je suis con sa mère. Mais gros, on m'avait prévenu que t'allais pas la comprendre. Je suis dépité. Attends, normalement, c'est Noisy le Sec, la vie. Ah, bah, non, mais Billy, c'est parce que le petit Grégory, il est mort noyé. Donc, Noisy le Petit, noyé le Petit. On est con. Oh, la tête de ma mère, qu'est-ce qu'on est con. On est trop con. Et Billy, mais c'est pas Noisy le Sec. Voilà, je comprenais pas. On est trop bêtes, on a la vie. Tu sais quoi, parce qu'en vrai, je vais être honnête avec toi, c'est une petite blague dans ce genre, je pense que si j'avais compris, j'aurais rigolé, et aussi parce qu'on a un capital de on est nul, on a été très con. Ouais. Je vais te l'offrir, le sem, voilà, je te le donne, oh. Là, ça me va. Tu sais quoi, Zach? Dis-moi. Offre-le à un random à la commu, offre-le. Oh, mais attends, monsieur n'est pas seulement quelqu'un de drôle, c'est aussi un grand prince, mais attends, mais... Il a un bon cœur. Oh non, quel frère. On va offrir au hasard dans le chat, c'est... Le gars vous le gift, ça fait plaisir, hop. Je viens de me prendre une grande calotte par madame qui m'a mis un gros coup dans le dos à cause de ça. Pourquoi? Elle veut son sub, elle aussi. moi, si vous voulez, je vous offrirai vos subs à tous les deux, avec grand plaisir. Oh. Mais offre-en deux à la commu, c'est plus fort. Hugues, ça y est, arrête. Hugues, y'a ta meuf, là? Attends, ouais, y'a sa meuf, gros. Hugues, putain, t'offres des subs, mais ça veut dire qu'il était pour nous, tu fais chier. allez. Meuf à Billy, hein. T'as un pro avec Hugues. Attends, mais tu te fais lever. Attends, mais on a la MVP du soir là. C'est la MVP du soir là. C'était elle la plus drôle. Hein. Ouais. Bah force à ta meuf en tout cas. Ouais, force en tout cas. Hein. Trop de générosité. T'inquiète. Je suis mort. Bonne soirée. Bonne soirée les gars. Je suis mort parce que c'est ma meuf qui parlait et lui il croyait vraiment que c'était sa meuf. Mais non, c'était ça, j'avais pas capté. Il était perdu. Il répondait mon coup, il couronnait plus. Gros, j'avais pas capté que c'était pas sa meuf. Mais c'était ma meuf. Mais lui, non, elle est forte. Il s'est pas fait me fête du tout, non, elle est forte, franchement elle est forte, belle. Je suis mort sa mère. Je m'y attendais pas. Allez, c'est parti, on va continuer tranquille, hop. Très, très bon concours de blagues au demeurant, hein, je me permets de le dire. Ouais, mais... Bonsoir. Eh ben, bonsoir les gars. Ça va? Ben, ça va très bien et vous? J'aime bien ta voix. Ça vient d'où, Johan? Bah, de l'Île-de-France, tout simplement. Beau gosse. Parce que franchement, t'as une voix nordique, un peu. Ouais, ah ouais, sérieux. France, dans le Nord. Alors, pas, j'ai des origines pas nordiques, mais au Savoyard, donc je sais pas si... En fait, si tu veux, t'as une voix à la cool, quoi, tu vois, comme ça. Oh, je suis bon, non. Non, écoute, mais t'inquiète, mieux, rien de méchant. Ah oui, non, mais je le prends très bien, t'inquiète pas. Lourd, c'est bien, on aime bien. Bon, frérot, quelle est ta blague? Alors... Savez-vous quel est le bonbon préféré de Niki Lauda? Je sais pas, gros. La tête brûlée. Attends, le bonbon préféré de Maître Yoda? Non. C'est qui Niki Lauda? Je le sais, j'en étais sûr. Ah, c'était sûr. Le bonbon préféré de
Maître Yoda. Non, de Niki Loda. Mais je sais, mais Billy l'a dit ça. Après, j'ai pas la ref. C'est un pilote de F1 des années 80 et en fait, il a eu un grave accident et puis il a été brûlé presque la moitié du corps et tout le visage. Et donc du coup, t'es venu lui chier dessus, quoi. T'as décidé. De... Ah mais écoute, j'ai beau être un passionné, aucune pitié, moi. Bah en tout cas, merci pour le bonbon préféré de Maître Yoda, mais ce sera pas, ce sera pas suffisant pour ça. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Au moins, il n'y a pas de bite, c'est toujours ça. Bon bah tout roule. Attends, t'as kiffé le Grand Prix cet après-midi? Je me permets. Franchement, ouais, parce qu'un Français qui gagne sur une voiture française, voilà, c'était super. Mais j'étais dégoûté pour Max Verstappen, franchement. De même. Ah, c'est bien, t'as bon goût, monsieur. Bon bah écoute, frérot, passe une bonne soirée. Bah merci à vous deux aussi. Hein. Ciao. Merci frérot. Ciao. Le bonbon préféré de Maître Yoda. Quand il a dit Niki Loda, je me suis dit Billy va pas savoir c'est qui. Ouais, je sais pas. J'en étais sûr, la vie de ma mère, j'en étais sûr, gros. Et même à la fin, il a dit au moins il y a pas de beats. Voilà, j'ai pas compris. Comment ça. J'ai rien compris. J'ai pas compris non plus. C'est pas grave, on accepte à des moments d'être un peu débile. C'est que ça, vraiment, j'ai trop l'impression d'être le putain d'idiot du village quand le mec fait une blague qui s'apparente à un banger et toi, vraiment, t'as purement pas compris parce que t'es con. Je te jure, ça fait trop du mal. C'est horrible, c'est limite, t'as l'impression de manquer de respect à la personne, genre, ça me pue. D'ailleurs, la présélection est encore là, les mecs, pour l'exclamation Discord. Si vous voulez passer, raconter votre vanne, il y a encore les cracks qui vous font passer. Bah, d'ailleurs, elle est pleine, la présélection, donc n'hésitez pas à passer. Nous, on a encore une dizaine de blagues tranquilles, donc. Franchement, on est bien. J'espère que tu passes un bon moment, Billy, tout roule. Ah, je kiffe, je pleure de rire. Eh ben voilà, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir à entendre. Allez, vas-y, on va continuer. Bonsoir. Bonsoir. Yo. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien et toi, beau gosse? Tranquille, hein. T'es déjà passé, toi? Ouais, il y a longtemps. Pourquoi tu veux cacher ça? J'avais modifié ton niveau Discord. Hein. Tu sais que quand je modifie ton niveau de son, je sais que t'es déjà venu. Essaye pas de faire le mec incognito. Bah voilà, je suis bien venu. Et t'avais pas fait rire? Je lâche un flop, frère. Donc nous avons un ex-flopper, les amis, qui vient pour essayer de se refaire. On accepte, hein, ça peut tout à fait être très drôle. Et on a bien envie de t'écouter, sache-le. En tout cas, moi, j'ai envie. Ok. Quel est le point commun entre un lapsus et un anulingus? Une erreur de langue était dans la merde. Tranquille, ça va, tranquille. Du coup, on est là et toi, mon ref? Ouais, franchement, ouais, ça va, j'ai passé une bonne journée, gros. Oh bah ça va, on peut parler d'autre chose si vous voulez. Hein. Ouais, bon, le temps en vrai en ce moment il est pas terrible, c'est vrai que l'été, déjà vu. Ouais, il pleut, il fait beau, je comprends plus rien. Vraiment, ouais, c'est un peu chiant limite, tu vois. Ouais, je sors jamais là, il pleut tout le temps. C'est chiant. Et t'es parti en vacances? Chez moi, hein, tu connais, hein. Chez moi. Eh bah écoute, frérot, tu as l'air d'être à l'aise chez toi, on va te laisser là-bas. Vas-y les refs. Ciao. Vas-y. Voilà. Bon, on va commencer à mettre une blacklist en place. Hein. Je vais noter les pseudos, les mecs, si vous êtes passés 2-3 fois sans faire rire. On va commencer à foutre une blacklist avec un nom à l'entrée, hein, les gars. Je vous dis, les pseudos, le petit bloc-notes, là, on va mettre en place un drive, ça va pas le faire. Plus hein. Jamais qu'il repasse, mais ça y est, il a brûlé sa chance. Là. En plus, la dernière fois, vraiment, il y avait un ex-flopper qui était passé, il avait la dalle, tu vois. Genre, vraiment, il avait la dalle, il était là en mode, je veux refaire mon flop. Et ben vraiment, il nous avait sorti un banger, c'était trop un plaisir. Tu vois, vraiment, il avait été lourd. Bon, malheureusement... Bah, ça arrive pas à tout le monde, hein. Exactement, ça n'arrive pas à tout le monde. Allez, on va continuer tranquille. Bonsoir. Oh, ouais. Ouais, je beau gosse. Ça va ou quoi? Attends, j'ai juste coupé son du live. Vas-y, tranquille, mets-toi à l'aise, gros. Je crois qu'il a un shout HyperX, lui aussi. T'as le HyperX Alpha, c'est ça? Ah ouais, ça me dégaine des jours. Ça va, je rigole, frérot. Tu vas bien? Oh, désolé, pardon. Le mec, on a demandé, on l'a agressé. Voilà. Oh, attends, juste 2 secondes avant. Si ma blague, s'il te plaît, elle te fait rire, tu peux me déban?
Oh, t'as vu, il y a l'autre là. Pessi, je sais pas quoi, il a fait une blague, elle était nulle. Ouais. J'ai marqué, tu sais, on dort. Ouais. Je me suis fait ban, j'ai pas compris. Bah écoute, frérot, si ta blague est drôle, tu gagnes un sub et un déban, t'as ma parole. Incroyable. Allez, vas-y, attends, nous faire rire. C'est en Somalie, pourquoi la population a fortement baissé? Aucune idée. Parce qu'il y a eu un coup de vent. C'est quoi ton pseudo je crois qu'il y a Billy, il a envie de faire un truc aussi sur son chat là. Ah, Billy, il a rigolé, c'est bon. Ça compte. Frérot, mais moi je vais t'offrir un sub, donne-moi ton pseudo. En fait, tu vas gagner deux subs, tu vas être le premier à gagner deux subs. Ouais. Ah, allez, ouais. Donne-le. Ah, c'est DarkZubi42. Ok, ça marche. Ça vient de Saint-Étienne. Ouais, bah du 42 en plus, ça vient de Saint-Étienne. Ah gros, faut pas vanner les autres endroits alors que tu viens de Saint-Étienne, le bâtard. Mais moi, j'ai vanné personne. Ça va, tranquille, frérot. Bah écoute, passe une bonne soirée. En vrai, j'ai gagné un truc. Non, t'as rien gagné, gros. Non, ça. Ok. Oh là là, t'es nul. C'était nul. Allez, les refs. Ciao, ciao. Ah, j'ai gagné mendiant. Un truc. Non, gros, t'as rien gagné, là. Ça fait 10 minutes qu'on n'a pas eu un gagnant, là. Eh, il faut rehausser le niveau, là. Je sens que le prochain, ça va être un banger, je le sens. Vas-y, t'as un pseudo qui t'accroche un peu les yeux, comme ça, là. Mais là, je vois, il y a un banger, il attend depuis tout à l'heure, c'est Amiax dans l'axe. Ok, Amiax dans l'axe. Ouais, franchement, le pseudo me conforte. Bonsoir. Je le sens bien. Allô, les gars. Ouais, je beau gosse. Ouais, je tranquille. Bah ouais, ouais, ça va, et toi? Oh, j'étais même pas en train de suivre. C'est sur mon écran, ça merde. T'es le poulain de Billy. Billy, il croit en toi. Ouais, là, tu peux pas décevoir, là. Ah, le bâtard. Eh, pourquoi tu m'as choisi moi, frère? En plus, on m'a dit, eh, c'est pas Mélanie. Il me dit, ouais, ta blague, frère, elle est claquée, vas-y, je te laisse passer. Oh bah, c'est bien, ça. Oh là, je le poucave, ce bâtard. C'est bien, ça. Ah, le mec, on a recalé sa blague, il veut pourrir le concours de blague en faisant passer des mecs nuls. Attends, on va faire clic drop, bannir sur ce petit connard, là. Si tu veux, je peux le remplacer, un peu sélectionneur, moi, j'aime bien. Ok, bah, tu prendras, écoute, je le dis officiellement, tu prends sa place si tu nous fais rire, vas-y. Vas-y, ah, oh, vas-y. Attends. Un ou deux? Je sais pas faire quelle blague. Deux. En fait, c'est un blédard, tu vois. Il arrive en France et il prend un taxi, tu vois. Et il commence à saouler le taxi de questions, tu vois. Il dit, ouais, les filles, elles sont comment? La tour Eiffel, c'est comment? Et le chauffeur, il en a marre, tu vois. Et là, le blédard, il dit, ouais, c'est quoi le petit rond que t'as au bout de la voiture? Tu vois, c'était une Mercedes qu'il avait, le chauffeur. Le chauffeur, il dit ça. Ça, c'est un viseur, ça. Ça, c'est quelqu'un qui m'énerve. Je tire et je l'éclate. Et là, il dit, ouais, tu vois la petite vieille là-bas, il accélère, il dérape. T'entends pas. Le blédard, il se retourne, il dit, heureusement, j'ai ouvert la porte, sinon tu l'aurais raté. J'ai entendu un con. Fais pas genre. Mago, voilà, c'est Mago, elle est malade. Elle est malade, gros, c'est pas... Elle est malade, non, parce que moi, je suis sûr, elle a rigolé. J'ai 39 de fibre, désolé, j'ai... Elle a le nez bouché. Elle a le nez bouché, voilà, elle a bougé. Ça déraille. Direct, t'as essayé de te rattraper, t'as dit, j'ai entendu... Eh frère, oh, la vie, j'avais pas de blague, aussi, ils sont ingrats dans le Discord, la vie, ils disent tous. Ah non, déjà fait. Non, déjà fait. Ah bah frérot, 11e concours de blagues. 11e, tu te rends compte? 11e après 500 blagues, qu'est-ce que tu veux faire? Mais laisse-moi remplacer Mélanie Pessi quand même. Non, non, franchement, non. J'ai... Ah bâtard. C'est bon. Tu veux pas faire le bon? Non, gros. Moi, je prends Billy, j'ai des poulains Billy. Billy, je peux me rattraper si tu veux. Non, mais faut songer peut-être. Il y a deux trucs que l'humour. Il y a. Le bâtard. Il y a l'informatique. Voilà, je suis. La boulangerie, il y a plein de trucs. La boulangerie. Tu parles de boulangerie, tu vois, Hugues. Oui. Hugues, c'est la voilà, c'est un boulanger. Bah, heureux de l'apprendre. Bon, écoute, pas sur ma soirée, frérot. On s'en bat les couilles, t'es à la foutre. On s'en bat grave les couilles. On a rien à foutre, hein, vraiment. Ah, en fait, t'as vu le gars tout à l'heure? C'est un boulanger, hein, bah, écoute. Je vois que les mecs font des rencontres, tu sais, dans le channel présélection, ils discutent et tout, c'est bien. C'est sûr. Ah bah moi je suis boulanger. Non mais ça veut bien, pourquoi pas. Bon, il nous faut un gagnant là, franchement ça fait 10 minutes on n'a pas eu de gagnant, ça me pèse. Moi je veux un gagnant, je veux quelqu'un qui nous fasse rire. Bonsoir monsieur. Et bonsoir à tous. Ça va mec Zach, ça va Billy? Ouais, comment ça va Ricky? Ça va. Franchement ça va super gros. Tu te souviens Zach, j'étais déjà passé moi. Oui, franchement je le sais.
Bon, ça va, j'avais gagné. Et bah voilà, bah vraiment je veux un two-time winner là. Ok, j'avais une question juste avant. Vas-y. Est-ce que vous avez une sœur chacun ou des sœurs? j'ai trois sœurs. Ok, bon, ouais, j'ai trois sœurs. Que... Ah ouais, bon, le feu alors. Ça concerne un peu tout le monde, je pense, même dans le chat. Bon, du coup. Tu pars sur de mauvaises bases, hein, voilà, je le dis. j'ai rien dit, j'ai rien fait. Hein. Vas-y, à toi. Alors, bon, qu'est-ce qui est pire que de doigter sa propre sœur? Je ne sais pas. C'est d'y retrouver l'alliance de son père. C'est pas une blague, ça. C'est un trait d'horreur, ça. C'est de la violence. Mais c'est violent, frère. Bon. Est-ce que j'ai un peu... Non, attends, Billy, t'as pas compris? Non, mais j'ai compris. Je pense qu'on va... On va signaler sur Paros tranquillement. Je pense. Un petit signalement Pharos, ouais, pour monsieur là. Oh, je suis mort. Mais tu sais que gros, ça c'est un truc, tu le retrouves dans les vidéos de Squeezie là, les traits d'horreur. Gros, c'est pas une blague. Ça a rien d'une blague. C'est horrible. C'est infâme. Oh, bon. Je suis mort. Bon, en tout cas, merci monsieur Ricky. Ouais. Merci beaucoup. Et vous avez fait là au moins le compteur là entre vous deux là, qui c'est qui rigole le plus? Oh bah non pour l'instant. Non. Non parce que égalité, les là. Ouais. Okay. Bah il y a égalité je pense. Bon bah attends, j'écris un message dans le chat. T'as pas gagné hein, J'ai perdu? Sérieux? Non. Attends, t'es sérieux? Mais c'est quoi? C'est quoi ce vol? Mais c'est un vol ça. Mais c'est un vol. Nananananer. Le vol. Ah bah j'ai dit non. Non, je rigole, c'est bon, vas-y, allez, t'as gagné, ça me va. Non, je te force pas, tu me dis. Après, moi, je vous ai entendu rigoler. En fait, moi, ça a été un mélange de rire et de... Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas une vanne, ouais, c'est un malade, tu vois ce que je veux dire. Non, tu nous as bien fait rire entre nous, c'est... En vrai, on a rigolé un peu entre nous. Allez, tu sais quoi, vas-y, bon cœur ce soir, regarde, il y a un invité, bonne ambiance, détente, je vais l'accorder. Ok. Moi, je te laisse écrire tranquillement, le frérot. Ok. Merci à toi. Je vous remercie les gars, passez une bonne soirée. Ah oui, en plus monsieur est vérifié Twitch, mais c'est beau ça. Ouais. Allez, ciao les gars. Ciao. Oh la prise d'otage pour qu'il soit sub. Bon du coup le pseudo hein. Non en plus, en vrai elle était pas mauvaise, mais c'est juste que la vie de ma mère c'était pas une vanne, frère. C'était... Ça avait rien d'une vanne. Je vais vraiment signaler sur sa route. Vous avez des sœurs en plus, t'sais, il nous a mis dans le... Ouais, en plus, il dit, oh, 3, oh, le feu. C'est vrai que pour le coup, Ricky frérot, t'as été complètement fou. Le mec, il nous a dit, 3 sœurs, oh. Le feu, je commençais à transpirer. Mais ça colle totalement. Il voulait qu'on se mette en situation, quoi. C'est un malade. Ah, mais c'est un psychopathe. Bah, en tout cas, le concours de blagues, il y a de tout et de rien, il y a à boire et à manger. Bonsoir. Wesh, ton micro il est mute frérot si jamais. Ah voilà. Ouais, désolé. Bien. J'étais... ça va Billy, ça va Zach? Ouais, ça va et toi frérot, ça dit quoi? Ouais, un peu stressé cette première fois. Mais non, détente gros, tout va bien. Non. Ouais, et puis la blague elle est un peu... Bref. Bon, alors... Crois en toi frérot. On croit en toi. C'est quoi le point commun entre notre bon vieux Zach Nani et le trois quarts des blagues qui passent dans le concours de blagues à chaque fois? Aucune idée. Leur gros bide. Ah le fils de pute. Il est venu avec une blague customisée. Il est venu avec une blague personnalisée. Ah le chien. Pardon. Ah j'applaudis, elle était belle. J'ai de l'autodérision, y'a pas de problème gros. Elle était trop drôle. Oh le sniper. Bah, je l'ai fait parce que moi aussi j'en ai un gros bite. Non mais tu sais au début, en plus t'es venu avec un petit mood dépressif dans le ton et tout, je me dis attends, qu'est-ce que... Ah il est en train de préparer une de ses bastos pour toi. De ouf. Il est en train de préparer une maxi bastos pendant qu'il nous parlait doucement là avec sa petite voix. Monsieur, je vais te demander un pseudo.
Ah non, mais moi je suis déjà sub, donc tu peux l'offrir à qui tu veux dans le chat. Vas-y, gros. En plus, t'es un grand prince. Qu'est-ce qu'on aime les mecs comme ça. Hey, Zach, dis-moi la vérité. Est-ce que t'as rentré ton ventre après la blague? Oui. Ça fait une minute, j'ai pas respiré là. C'est le ventre habituellement, je le rentre un peu pour les photos, tu sais. Dans le rajout. Je regardais ton le concours de blagues de la dernière fois et ouais. Puis à la fin j'ai pensé à la blague et je l'ai écrit dans un mémo en fait. C'est là qu'il a regardé, il s'est dit bah tiens. On va aller lui envoyer une petite bastos. Non mais je vois qu'il y a eu de la préparation. Bon bah écoute, merci monsieur, passe une bonne soirée. Ouais, bonne soirée, salut. Ciao ciao. Merci. Ça pouvait pas être nul, il avait le logo Red Bull en PP Discord. Ah ouais, non, ce mec, il se la dope à je sais pas quoi. Mais... Il se gros, le logo Red Bull en PP Discord. Le meurtre était prémédité, comme il l'a dit Reda, gros, c'est un truc de ouf. Mais frère, au début, j'ai eu peur que ce soit une blague trop méchante, genre, je sais pas, ça pue la merde, tu sais, des trucs bah oui, bah oui, bah oui, bah en fait, au début, tu sais, en plus, quand les mecs, en général, ils viennent, tu sais, au commencement, c'est de dire, ouais, la blague, en vrai, elle est pas terrible ou quoi, t'es déjà dans une prédisposition où t'as pas envie de rire. Ouais. Là, quand il a commencé à dire en Zach et les trois quarts des blagues qui passent, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et c'est pas la première fois que je me fais vanner mon ventre. Hein. La dernière fois, il y en a un, et ben c'était Mehani Pessi, il m'a dit comment est-ce qu'ils ont rebouché le trou de Chiganshina, enfin le mur de Chiganshina. Je lui ai dit, je sais pas, il m'a dit avec ton gros ventre. Ah oui, oui, non, mais c'est bien. Mais hey, en vrai, t'as maigri de ouf en plus, je comprends pas. Bon, j'ai un peu maigri, mais bon, franchement, je pense que c'est un peu revenu là. Tu vas me voir cette semaine. Ah bah frère, tout le monde, hein, on a tous grossi. On est bien en chair hein, ici. Hein. Je t'ai coupé. Non, je disais Aga, pardon, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète, t'es. Merci frérot. Allez, vas-y, on continue. Merci pour les bits, la solo, mon gars. J'ai honte, Zach, mais non, tu as été drôle, y'a pas de soucis. Allez, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Wesh, les gars, ça va ou quoi? Bien. On est là et toi, ça n'est. Attends, je coupe mon live en 2-2. Putain, c'est bon. Je peux prendre Billy pour la blague ou pas? C'est-à-dire prendre Billy? Me prendre dans quel sens? Non, mais genre, tu seras dans la blague, en gros. Ah, vas-y. Ouais, je pense, ouais. Avec plaisir. Non, ça te dérange pas? Non. Fais. Vas-y. Du coup, c'est Billy et sa future femme plus tard et tout. Et ils se disputent. Et Billy lui dit, ouais, fais attention, j'ai une grosse arme entre mes jambes. Et sa femme lui dit, bah oui, à 9 mm. Frérot, j'ai pas compris, moi j'ai pas compris. Après, je on n'a pas compris, frérot. Comment ça? Arrête. En gros. Moi je l'ai compris, mais elle était trop nulle. Mais c'est ça la chute, c'est ça la chute de la blague. Oui, c'est de ça. Non, mais ton micro il a dû se couper. C'est quoi la suite après, mon ref? Billy, je suis pas sûr que t'as envie d'entendre vraiment la suite, gros. Non, mais. En gros, tu t'es disputé avec ta femme, tu vois. Ouais. Et tu lui as dit, fais attention, j'ai une grosse arme entre mes jambes. Ouais. Et t'as dit, ouais, un 9 mm. T'as capté ou pas? Pour le... Écoute, et pour le bien de tout le monde, je mets fin à ce moment. Ouais, c'est un peu... Oh, j'avais envie de creuser un trou et de m'enterrer dedans tellement c'était gênant, gros. Oh, ouais, merde! Mais frère, m'attendais grave à une suite! C'est quoi la réponse de ma femme, genre? Ah non, mais c'est nul en fait! Genre, t'as mis un petit beat, c'est tout ce que ça veut dire, genre, c'est nul! On a raconté des blagues, on a pas dit dire la vérité, ouais! Eh, toi! Oh, attends! Eh, je te fumais! Tu pèses 400 kilos, va là-bas là! Attends, elle a dit c'est un concours de blagues, pas un truc de vérité! Attends, mais tu viens de te prendre une bastos aussi, là, je reconnais. Je reconnais. Je sais même pas quoi dire, j'ai la haine. Voilà, moi, les... T'es pareil, moi. Oh, je suis mort. Elle a dit le concours de blagues, c'est devenu un concours d'anecdotes, genre. Oh, je suis mort. Bon, bah écoute, comment on aura chacun pris sa bastos, le frérot. C'est bonsoir. Ça va quoi, mec? Ça va et toi? Ouais, ça va, gros, ça va, super. Tu viens dans une ambiance délétère, voilà, fallait que je te le dise. Vas-y, je commence ma blague. Vas-y, fonce. Quelle est la différence entre un noir et un pneu?
Entre quoi? Un noir et un quoi? Entre un noir et un pneu. Et un poulain? Et un pneu? Un pneu. Ouais. Et un pneu. Je sais pas. Mais quand on enchaîne le pneu, il se met pas à chanter du blues. Ça va, Billy? Oh, on est là, mon ref. Billy de la chaîne Rebeu des Terres. Non, c'est pas ça. Non, t'es là. Mais, non, mais là, c'est Billy 404, c'est un rappeur, là, ce soir. C'est pas Rebeu des Terres. S'il y a un problème, faut aller sur, faut aller le voir lui, hein, s'il vous plaît. Cyclopâtre. En plus, franchement, pour le coup, t'as pas de chance. Enfin, t'as pas de chance. Genre ça, ça aurait pu être une blague, genre qui... Pourquoi pas mais enfin, pourquoi pas. Bon, façon de parler, mais je la connaissais en plus. Donc, dur, pas de chance. Pas de chance, monsieur. Bonne soirée. Bah écoute, oui, en fuite, toi. Allez, bonne soirée. Il s'est enfui, gros. Oh putain. Je suis. Attends, là, il a dit je suis noir, mais pardon, mes ancêtres, j'ai ri. Ah, le gars, il s'est excusé dans le chat, gros. Ah, il n'y a que lui qui a le passe pour rigoler là. Ah, lui, il a le passe, lui, il peut y aller. Hein. Ah ouais. C'est de bon cœur, lui, il peut foncer, tu vois. Allô, oui, bonsoir. Coucou. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, mais t'es tout content là? Non, désolé, mon frère. Non. Tranquille? Ça va ou comment? Ça va. Non, parce que c'est la première fois que je passe, c'est pour ça. Ah bah gros, y'a pas de soucis, hein, t'es à la maison, hein, vas-y, on t'écoute. Ouais, ça vaut quoi les gars sinon? On est là et toi mon ref, ça te dit quoi? T'as fait quoi aujourd'hui? Bah écoute, aujourd'hui rien du tout, je suis rentré de soirée et je me suis levé à 15h, voilà. Pff, oh la clé. Attends deux secondes, arrête de pleurer, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe, wesh? Mon petit frère, il pleure. Mais pourquoi il pleure? Mais qu'est-ce qu'il a? Parce que t'es un bâtard, tu l'as dégagé. Mais c'est qui ton petit frère? C'est Mélanie Pitt. Ah, venez, je vais avoir toute la famille. J'en ai marre de ce pays. Tu l'entends, gros? Eh, Zach, si tu veux, j'ai une caméra et tu peux voir si tu veux. Viens, reste là. Viens. Oh, je suis mort, gros. Si tu... Mais ouais, si on a eu le papa, le petit frère. Ah non, mais gros, dans 10 minutes, on va voir l'oncle, gros. Attends, mais t'as mis la cam en plus? Mais oui, j'ai mis la cam. Il fait des pompes. Vas-y, viens. Attends. Viens. Faut que je regarde ça. Attends, mais t'as une belle chambre, dis-moi, gros. Ah oui, mais j'ai investi 4000 euros. Hein, bon, attends, mais t'as une vanne en vrai ou pas? Oui, j'ai vraiment une vanne. Attends, mais il fait pas des pompes, là, il est mort. Ah là, réveille. Mais il est mort, là. Lève-toi. Vas-y, lève-toi. Attends, mais frérot, y'a quoi qui a coûté 4000 euros? Le PC. Ça. Parce que là, y'a 3 poussières display. Ah ouais, le PC. Ah, le PC, monsieur. Ah ouais. Il a dit, voilà, il passe plus. Bon, du coup, vas-y, t'as une vanne ou pas? Ouais, j'ai une femme. Vas-y, la rédemption du petit frère par le grand. Allez, venge-le, mon refond. Venge-le. Ok, alors, pourquoi un flamant rose ne lève qu'une seule patte? Je sais pas. Parce que s'il en lève deux, il tombe, fils de pute. Toi et ton petit frère, je veux plus vous voir. Toi et ton petit frère, je veux plus vous voir. Je veux plus vous voir, gros. Oh, la famille, faut la blague. Je veux plus jamais vous voir. Ah, c'est fini, gros. Je veux plus jamais vous voir, là, les deux. Juste, attends. Moi, en soi, je regarde pas beaucoup de streamers, donc mon sub... Tu peux en faire ce que tu veux, je veux le gagner ou pas, moi ça me change rien, puisque les émotes, tout ça, j'utilise pas. Mais, juste pour te dire. Vas-y, dis-moi. Après, c'est le moment un peu sentimental, entre guillemets. Mon petit frère, il me parle tout le temps de toi. Il dit, regarde, je passe dans le truc de Zach Nani, tout ça. Il est trop heureux. Quel frère? Je te jure, Allah Ishafek, il est trop heureux. Eh bah, merci. Et. La première fois, il était en train de trembler, il m'a fait « Eh, je sais pas quoi dire ». Il est arrivé, il rigolait, il était genre... Après, tu l'as mis grave à l'aise et tout. Et à chaque fois, il me fait les blagues avant à moi, pour voir si je rigole et tout. La blague avec les deux cercles, par contre, tu vois, elle est bon. Je lui ai dit, elle était pas ouf. Moi, après, tu lui as dit la blague avec les deux cercles, elle était naze.
je lui ai dit, après moi, c'est impossible de me faire rire après, je suis quelqu'un, je rigole. Non mais c'est important, c'est important de souvent écouter son grand frère, c'est encore l'exemple. Voilà. Franchement, moi, la blague a été simple, mais bon, j'ai rigolé comme un trou de balle, donc j'ai offert un sub au hasard dans le chat, ouais. Ça me va. Ouais, pareil, j'ai rigolé, je m'attendais pas. Et la blague, tu sais, elle vient de qui en plus? Elle vient de lui. Et bah écoute, la prochaine fois, tu lui diras de faire un peu plus confiance en lui-même. Ouais, voilà, bon, bah je vous souhaite à tous une bonne soirée, retrouvez-moi sur Twitch, Maoji, tirez du bois. Ciao, ciao. Vas-y, ciao les refs. Vas-y, ciao mon ref. Mais... Elle était pas mal, ça va, non ouais. Ah, elle était pas mal, mais surtout, je m'y attendais pas. Ouais, bah, c'est vrai qu'il a que deux pattes. Bah, pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Non, mais... On est débiles, des fois. Mais la famille, là, par contre, des petits cracks. Hein. La famille, entre le petit et le grand frère, là, je te dis, on va avoir un autre grand frère dans quelques temps. Hein. Les darons, ils doivent péter un pont sur eux, vraiment. Ils doivent foutre leur haine. Tu connais, ça se voit, c'est les petits rebeux qui foutent le Ouais, ouais, ouais. On va continuer tranquille. Bonsoir. Allô. Ça va? Ça va ou quoi? T'es déjà passé, toi? Ouais, je suis déjà passé. T'es un habitué? Non, je suis passé, du coup, la dernière fois. Oui, bah, donc t'es habitué. Ouais. Non, il est passé trois fois, mais non. Je viens tous les jours, hein, mais franchement, je suis pas trop habitué. Je suis passé une fois. T'inquiète, frérot, y'a pas de soucis. Bon, du coup, on t'écoute. Vous savez ce que c'est la différence entre un ballon et un hélicoptère? Non. Kobe Bryant ne sait pas faire rebondir les hélicoptères. Oh, c'est dommage. Non. Tu vas prendre deuxième ou pas? Petit bégaiement vers c'est la fin. C'est dommage parce que t'as bégayé la vie de ma mère, c'est dommage. Oh frère, c'est le seum. Tu vas faire un deuxième ou pas? Bon, allez, vas-y. Vous savez ce qui est plus merveilleux que de faire tourner un enfant sur un tourniquet? Non. L'arrêter avec une pelle. Une troisième peut-être? Je regarde ça. Attends, mais t'es sur une page Google là ou quoi? Attends. J'en ai une. Bon, allez, vas-y, allez, vas-y, la troisième. C'est un homme, il voit sa meuf faire ses valises. Et il est choqué et tout, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? La meuf, elle dit, je te quitte. Il est choqué et tout, il veut savoir pourquoi. Elle dit, parce que t'es un pédophile. Il est choqué et tout, il dit, attends, mais comment tu connais ce mot à 10 ans? Bon, toute bonne chose à une fin. Hein. Ah, ouais. Je vais rejoindre les enfers là. Bonne soirée du coup. Après, frérot, t'as la au santé et tout, l'essentiel. Ouais, ouais, franchement, Abdoulaye, si t'as la santé et tout, c'est tout ce qui compte, gros. Je vous souhaite que du bonheur, au revoir. Au revoir. Je vais m'enfermer dans le placard, genre. Oh là là, pas drôle, qu'au bout de lui. En plus, on lui a pas laissé une chance, on lui a pas laissé deux, on lui en a laissé trois, sa mère. Mais grave. Ça veut dire que sur toutes les émissions, c'est comme s'il était passé trois fois d'un coup, là. Ah ouais, là, ça casse. Mais de toute façon, déjà, de base, il y a des choses, ça trompe pas. Genre, t'arrives, je lui dis, t'es déjà passé, toi, t'es un habitué. Hein? Mais non, je suis juste passé une fois. Ouais, ça sonne bizarre, déjà. Déjà, de base, tu sens, bon, c'est même pas pour tailler, mais c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi, tu vois. Ouais. C'est le bâtard. Enchaînons tranquillement. Bonsoir. Il est mute ton micro, frérot, si jamais. Si jamais. Ça va? Allô? Ouais, ouais. Bon. J'y vais. Oula, mais qu'est-ce qu'il y a? Allô? Ça va? Ouais, et vous? Tranquille, qu'est-ce que tu racontais? Je me parlais. D'accord. Ok. T'as une blague? Ouais. Bah vas-y, écoute, hein, c'est ton moment. Ok, c'est une mère, elle a trois enfants. Flocon. Attends. C'est pas pour moquer des accents d'autrui, mais j'ai rien compris, gros. Attends, je vais me concentrer, tranquille. Vas-y, tu peux y aller. Ok, c'est une mère, elle a trois enfants. Fleur, flocon, puis brique. Fleur, elle s'en va voir sa mère, elle dit « Pourquoi je m'appelle Fleur? » Sa mère, a dit « Parce que quand t'étais jeune, il y a une fleur qui est tombée sur ton front. » Le flocon, elle s'en va voir sa mère, elle dit « Pourquoi je m'appelle Flocon? » Sa mère, a dit « Quand t'étais jeune, ben il y a un flocon qui est tombé sur ton front. » Là, il y a Brick qui s'en va voir sa mère. Déjà fait. Déjà... Oh là là, je te jure, déjà fait. Ah, ça m'a fait rire. T'as bien
Moi, je te jure, gros, déjà faite, donc je la connaissais de ouf. Et c'est pas pour, tu sais, moquer bêtement, mais l'accent québécois, des fois, vraiment, j'avoue, sur certains mots, c'est un peu marrant. Au début, j'avais du mal à comprendre. Oh, mais bon. On n'est pas méchant, hein. on aime bien nos amis québécois, c'est juste que pour le coup, franchement, ouais, comme je t'ai dit, déjà faite. Mais après, Billy, il a dit qu'il l'avait trouvé drôle. Si Billy a envie de financer ton sub, il est tout à fait libre de le faire, tu sais. Tu es le mec. Ouais, je pense que ça va aller, frérot, mais... Ouais, c'est bien, hein. On a rigolé, mais pas jusqu'à... Hein. Ah, mais d'accord, je vais commenter. Ouais, je vais commenter. Bon, bah, merci à toi, frérot, passe une bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Hein, Billy, on rigole, mais pas jusqu'au bout, hein. Non, en vrai, je l'aurais payé volontiers, mais je suis même pas sur le PC, tout ça. Mais... Non, bah, tranquille, tout va bien. D'ailleurs, attends, est-ce que la présection est encore ouverte? Parce que là, je vois, il y a encore des gens dans l'attente de move, mais il y a peu de gens qui reviennent dans présection. De toute façon, après, ça va bientôt faire une heure, donc on va pas non plus en rajouter 100 000. Allô, oui, bonsoir. Ouais. Bien, mec. Ça va ou quoi? Ça va. Il fait peur. Ça dit quoi? Non, ça te dirait, vous. Ouais, ta pépé, elle met des pressions. Hein. Frérot, t'as fait quoi aujourd'hui, par curiosité? Frérot, aujourd'hui, j'ai révisé, moi, je suis encore en cours, là. Oh, c'est bien, ça. Ah, force. Bon, du coup, vas-y, frérot, dis-nous tout. Vas-y, blague courte, tranquille. Quel est l'avantage de sortir avec une meuf sans abri? Je sais pas. Tu l'as déposé partout. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment drôle. Elle est déposée partout. Non, il est bon. Elle était bien, celle-là. Non, celle-là, elle est belle. Celle-là, merci pour les travaux, monsieur. Ah, j'ai eu peur au début. Pas de soucis. Non, elle est un peu sombre, mais j'ai apprécié. C'est quoi ton pseudo, frérot? Sombre pourquoi? De quoi? T'as dit sombre. Elle est sombre dans quelle manière? Non, mais façon de parler, monsieur. Ah, ok. Ouais. Attends, non, mais... Attends, tu es en train de me mettre un coup de pression, là? Non, pas du tout, mais non. En vrai, c'est réel, hein. Si t'as une meuf sans abri, tu l'attèches un peu où tu veux, c'est un truc de ouf. Ah, bah pour le coup, gros, t'as au moins cet avantage, quoi, disons. C'est quoi ton pseudo, frérot? Frérot, je suis déjà seul, offre-là quelqu'un dans le chat. Mais attends, mais il y a que des grands princes ce soir, c'est un truc de ouf. C'est moi, j'attends juste quand est-ce que tu vas définir le MVP, c'est tout. Quand est-ce que je vais définir le MVP? Ouais. Le MVP, pour l'instant, je pense que t'es bien placé, mais de cœur, je dirais peut-être celui de tout à l'heure. Lequel? Je sais plus. Tout à l'heure, on avait rigolé fort, mais je me rappelle plus pourquoi. Avec le gros beat, je crois, avec le gros beat. Ah oui, le gros beat MVP pour l'instant. De quoi, lequel? Le gros beat. Ah oui, le gros beat, ouais, voilà, le gros beat. Putain, mais vraiment, je suis tellement débile, frère. Bah écoute, on verra, on va définir ça à la fin avec le chat, le frérot. Vas-y, pas de soucis. Ciao, ciao. Merci, le rêve, bonne soirée. Vas-y, mon rêve, toi aussi. La blague SDF, sa mère. Ah, je la connaissais pas, celle-là. Bonsoir. Yo les gars, ça va ou quoi? Oula, toi, faut pas que tu parles très fort. T'es fatigué, lui. Ça va. Désolé. Attends, vas-y, je peux pas parler trop fort. Ouais, je me doutais. Là, on a quelqu'un en position de se faire daronnette. Oui, dis-nous. Petit coup de gueule, ça fait depuis 21h53 que je suis dans le VOC. Mais gros, tu sais, je fais passer les gens au fur et à mesure. T'es le dernier, il en faut un, tu vois ce que je veux dire? Le gars, c'est un syndicaliste, là. Il veut le SAV, là. Non, mais vas-y, gros, moi, je fais la blague à Billy parce qu'il est trop con pour la comprendre. Du coup, c'est Zach qui va la comprendre, tu vois. Attends, mais pourquoi tu tires sur l'invité comme ça, là? Désolé. Désolé, Billy. Je t'adore, vraiment. Mais t'es venu chier sur l'invité, je suis mort. Non, je comprends pas. Alors, bon, vas-y. Du coup, ma blague, c'est... Billy, tu connais la différence entre 5 minutes de sodomie et 5 minutes de fellation? Non. T'as 10 minutes devant toi? Zama, c'était ça la blague trop difficile à comprendre. Genre Zama, c'était ça qui était... Vraiment, c'était ça qui était genre... Vas-y, attends, j'en ai une deuxième, vas-y. Non. Allez, vas-y, le petit avant, tu l'avais laissé. Bon, allez, vas-y. Attends, parce que je dois te capter. Attends, frérot, dans les 5 minutes de fellation, t'as envie de me sucer, j'ai pas compris.
Tu vois, ça se retourne contre toi. Ça se retourne contre toi, gros. Vas-y, c'est lui qui est trop con. En plus, on m'avait dit de faire l'autre. Vas-y, je suis allez, allez, fais-la, fais-la. Vas-y, vas-y. Quel est le point commun entre une femme et un imperméable? Quand c'est un mot, il faut l'enfiler. Mais c'est Toto, là. Il s'est dit quoi tout seul? Mais il est trop con, là. Il s'est enfui, gros, j'ai même pas eu le temps de... J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, il s'est enfui, gros, putain. Mais frère, dans sa blague, il est censé me sucer, je sais pas compris. Mais... Non, mais surtout, gros, le gars, il a dit, ouais, Billy, il va pas comprendre, machin, tu vois, genre, en mode, c'était sophistiqué de ouf, tu vois, mais gros, elle était... Enfin, tu sais, y'a pas besoin de faire Harvard Med pour comprendre son truc, là, c'était... En plus, c'était claqué. Une heure. Putain, une heure 20 d'attente pour... C'était bien utile de faire le syndicaliste, hein. Bon, du coup, on a deux autres mecs, c'est des gars qui sont déjà passés, mais qui ont repassé la présélection et qui ont réété sélectionnés. Donc moi, ce que je propose, c'est on se l'écoute en rapide, après on fait le vote de MVP, et ce concours de blagues peut se clore en douceur, ça te va, Billy? Let's go, let's nickel, go. Nickel, nickel. Bonsoir, monsieur. C'était ton gars, toi, en plus, Billy, tout à l'heure. Ouais, je l'avais sélectionné, t'es revenu des enfers, là, amoureux. Ah, je suis revenu de loin, gros, dans les bas-fonds, laisse tomber ce qui se passe. Eh, vas-y, je vous refais une autre blague. Vas-y. Si vous rigolez, je suis présélectionneur. C'est bon ou pas? Vous imposez trop voilà, de conditions, je... les gars. Voilà, non, voilà, je veux. C'est franchement. Okay, ok. Si tu fais rigoler tes présélectionneurs, t'as ma parole. Vas-y, ok. Voilà, c'est un ami, tu vois, qui recroise un de ses amis d'enfance, tu vois. Mais il recroise et tout. Il est griffé, le gars, il saigne de partout. Il a les vêtements déchirés dans un sale état, tu vois. Il lui dit, wesh, mec, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? Il dit, bah, la semaine dernière, on a enterré ma belle-mère. Il dit, bah alors, c'est quoi le rapport? Il dit, bah, elle voulait pas. Non, mais vous aussi, les gars, faut rire au bout d'un moment. Faut pas t'en prendre à nous, frérot. On... C'est pas là, je suis passé deux fois, Bessif, voilà, ça... ça... Ouais, j'avoue, Bessif, frère. Tu nous as mis le couteau sur la gorge, gros. Bon là, je suis passé, il m'a dit, je t'entends pas, il est venu me chercher de loin, comme il s'appelle mon nom. Oh, Bessif, mon frère. Alors, qui fait les présélections? J'ai un modérateur et j'ai Mélanie Pessy. Mais après, gros, dis-toi bien un truc. Hein. C'est que ceux qui passent la présélection, imagine ceux qui ne la passent pas. Ah, ça, c'est chaud. Ah, non, ouais. Bah, c'est franchement, ils font des blagues, laisse tomber, elles sont rincées. Ah, frère, bah, pour le coup, t'aurais pu te compter dedans. Ouais, mais frérot, après, faut pas trop te moquer, frérot. Ouais, faut pas trop. Là, c'est Danny Drinkwater, bois de l'eau, gros. Oh, voilà, c'est caissier, le caissier, doucement, gros. Bon, bah, bonne soirée, cousin. Vas-y, bonne soirée, bon. Ciao, ciao. Allez, attends. Oh, non. Zidane se moque d'un chauve. Ouais, c'est exactement ça, gros, le CSC. Wesh. Allô, vous. Bien. Comment ça va? Bah, ça va, et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, bah, vas-y, t'as une petite photo funky, j'ai confiance en toi. Ok. Pourquoi mettons du scotch autour des hamsters? Aucune idée, gros. Pour pas qu'ils éclatent quand on les encule. Ok, je pars de moi-même, je pense. Ouais, tu peux pas. Je pense que tu peux y aller, gros. Je pars en moonwalk, tu sais quoi. Allez, ciao. Ciao, ciao. Mais frère, sa blague, il était même pas français. Ouais. J'ai pas dit. Mais c'était calamite. J'ai rien capté, gros. Pourquoi on met du scotch autour des hamsters? Voilà, j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris non plus, y'a aucun sens. Ouais, je pense pas qu'ils explosent quand tu les encules, mais c'est quoi ça? C'est même pas une vanne, tu vois ce que je veux dire? Bon. Je pense que sur ce fabuleux concours de blagues, on peut en rester là, tranquillement. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est dessus. Franchement, on aurait eu du très très lourd, du un peu moins beau aussi, hein, qu'on se le dise. Mais au global, j'ai bien rigolé. J'espère que t'as passé un bon moment, mon frère Billy. Ah, j'ai kiffé. Carrément, je connaissais même pas. J'avais juste vu un extrait avec la version avec Amine quand il était venu. Et je savais pas qu'il y avait des blagues aussi drôles. Ça, c'est non, vraiment franchement, rigolé. ça m'est bien. Bah écoute, tu reviendras si ça te dit de temps en temps. Hein. Ouais, de ouf, tu me dis à l'occasion, je repasse fort. Et en plus, on se voit à Lyon cette semaine. Ouais, fort, peut-être cette semaine ou la semaine pro. Oh, mais... je suis là les deux, c'est quand vous voulez, y'a pas de soucis. Ah, let's go. Bon, c'est le moment d'élire un MVP.
Et pour le coup, je... Alors le chat, je pourrais mettre un sondage, mais je sais pas, j'ai un sentiment, je pense que Billy pense pareil, mais le gars qui m'a vanné sur mon bide, je pense que c'est lui le plus drôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, alors auquel cas on prendra le mec qui a fait la blague du bide, envoie-moi un tweet ou quelque chose, bref, trouve un moyen de me contacter, un mail ou quoi, bref, t'inquiète, on va se... J'aurai ton Discord. Et on va se retrouver et tu vas gagner un cadeau. Un cadeau qu'il faut qu'on je décide. Je me rappelle, il y avait des mecs qui m'avaient dit une carte cadeau ou un truc comme ça, machin. Bref, t'inquiète, je vais trouver, mais tu vas partir avec un joli cadeau et les prochaines éditions, on le mettra bien. Mais là, franchement, pour le coup, tu fais totalement l'unanimité. Certaines personnes suggèrent ta meuf en MVP, Billy. Dégage. 39 degrés, elle est là en fond. Ouais, c'est moi la MVP. Elle va mourir, elle m'a quand même vanné, cette sorcière. Elle t'a vanné de ouf, hein. Quand elle a dit c'est un concours de blagues, pas un concours d'anecdotes, gros. Elle t'a vanné vénère, hein. C'est bien. Ah bon, je suis dégoûté là. On a tous pris nos bastos. Bon, le concours de blagues c'est terminé pour cette semaine. Merci à toi, Billy, encore une fois. Je te souhaite une bonne soirée. Bon rétablissement, du coup, aussi à ta meuf et à toi. Merci. C'était un plaisir, Zach. Ça fait trop plaisir, gros. Merci à tous ceux qui ont regardé ce petit concours de blagues. Et on se retrouve la semaine pro ou dans deux semaines. Et si vous avez des mecs que vous avez envie de voir venir pour faire ce concours de blagues avec moi, n'hésitez pas à donner vos noms. Ça peut être quelque chose de très cool. Bonne soirée, Billy. Ciao. Ciao, bye, bisous. Et bah, les gars, c'était de la frappe. C'était de la frappe, franchement, j'espère que vous avez kiffé, je suis très content. Je suis vraiment très très content. Et franchement, le fait que la blague la plus drôle, ce soit celle où je me prenne une bastos, j'avoue, j'ai reculé un peu, hein. J'ai... j'ai pris cher. Hein. Je vais revenir plus fort. Ah bah frérot, ceux qui ont eu un petit bide, malheureusement, vous pouvez toujours essayer de revenir plus fort, effectivement. Bon, en tout cas, franchement, merci aux présélectionnaires, merci à tous les gars qui taffent avec nous, même si y a pas toujours que des blagues qui font rire. Au global, c'est quand même un travail nécessaire pour rendre le truc bon, et ça fait très plaisir de vous voir le faire de manière bénévole, parce que bien entendu, Zach ne paye personne. T'es le connard. Bon, du coup...